Salut et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour un nouvel essai complet. Cette fois-ci, la Dinka Post-Lude qui est sortie avec le DLC Entreprise Criminelle. Donc encore une voiture comme précédemment la Dinka Kanjo SJ que j'ai essayé la dernière fois. C'est une voiture qui est aussi dans la catégorie tuning en plus d'être un coupé. Donc vous pouvez la modifier en ajoutant toutes les spécifications des voitures de la catégorie tuning. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de regarder mes vidéos. Je les ai toutes essayées, toutes les voitures de la catégorie tuning. Donc vous allez voir, elles ont des modifications en plus. Elles ont pas mal de custom en plus. C'est pas vraiment des voitures très performantes. Mais ce qui est bien, c'est que dans leur catégorie, ce sont des voitures avec lesquelles vous pouvez faire des courses au salon auto. Vous avez les courses de rue et pas mal de petits délires comme ça qui sont tous disponibles au salon auto. Donc là, Dinka Post-Lude, vous l'aurez compris, je m'adresse aux connaisseurs, vous l'aurez compris, elle est inspirée de la Honda Prélude. Vous avez saisi le délire, Prélude, Post-Lude, pas besoin d'en dire plus. Donc voilà, c'est une voiture qui est inspirée de la première génération de Honda Prélude, qui est très bien inspiré même. Vous voyez que c'est vraiment très très ressemblant. Ils se sont bien régalés chez Rockstar encore. Ça fait plaisir. Donc une voiture qui est jolie, elle est bien modélisée. Je vous dire la vérité, quand j'ai vu que les deux étaient disponibles, la Kanjo SJ qui est inspirée de la Civic Coupé et la Post-Lude, je me suis dit, bon, je vais préférer la Kanjo. Franchement, voilà, c'est elle que je vais préférer. Ben, je vous dis la vérité, là finalement, je me suis plus amusé à custom cette petite Post-Lude que la Kanjo SJ. La Kanjo SJ, finalement, je ne savais plus trop quoi faire dessus. Puis les custom, ils n'étaient pas vraiment... Enfin, je trouve que les custom qu'il y a dessus, c'est pas top. Là, c'est pas top non plus. Il n'y a pas grand-chose à faire dessus, mais je me suis plus amusé à la custom. Elle a une bonne gueule, j'aime bien. Ça fait vraiment le style vieille japonaise. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu des petits motifs, vous savez, rouillés, des peintures rouillées, tout ça. On aurait pu faire des trucs pas mal. Mais bon, voilà, une voiture bien sympathique. On a un intérieur qui est sympa. Ils ont repris des éléments de la Sentinelle classique et de la Deluxo. Donc, des intérieurs qu'on n'a pas trop vus. Donc, ça va, ça change un peu quand même. La voiture, quand vous la pilotez, c'est-à-dire que vous avez la caméra arrière qui est assez haute. C'est arrivé il n'y a pas longtemps sur une voiture que j'ai essayée. Là, je ne me rappelle plus laquelle c'était. Vous avez la caméra qui est très haute. Ça fait assez bizarre pour conduire. Je sais pas pourquoi ils font ça sur certaines voitures. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Comme d'habitude, vous avez en bas les chapitres. J'ai rajouté des chapitres, c'est-à-dire que maintenant, je vous ai mis un peu tout dans la partie présentation. C'est-à-dire que vous pouvez aller directement au son du moteur, à l'intérieur, au test de transmission. Voilà, vous avez vraiment maintenant toutes les parties de la vidéo. Sinon, nous, on se retrouve à la fin, comme d'habitude, pour parler des performances. A tout à l'heure, bonne vidéo.
Le classement top 10, alors on commence avec la catégorie coupé, puisque cette voiture est une coupé, traction, classement qui commence un peu à s'étoffer, ça fait du bien. Alors on voit qu'on est dernière,
avec des performances vraiment, vraiment médiocres, si on peut appeler ça des performances. C'est une voiture, voilà, qui va, je pense, chuter au fur et à mesure que j'essaierai de découper, elle va rester derrière. On passe sur la catégorie tuning, où on voit que c'est exactement la même chose. On est dernière de la catégorie tuning et on arrive même à faire pire que la grosse merguez, la Warrener HKR. Donc on a une voiture qui est vraiment voilà, en bas, en bas, en bas du tableau. Bizarrement, je me suis moins ennuyé à la mener sur le circuit qu'avec la Kanjo SV. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi, enfin si, peut-être. Elle a un petit côté amusant avec un gros patinage à l'accélération, le son du moteur qui est plus agréable que la Kanjo SV. Mais sinon, voilà, on a une direction qui n'est pas précise, on a une grosse zone morte dans la direction. Voilà, une voiture qui est vraiment très très faible en performance. Donc, une voiture que je vous conseille pour des rassos, pour de la collection, pour chill, tout ça, voilà. Mais pas une voiture pour la course. Une voiture vraiment à acheter pour le plaisir. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à bientôt pour la prochaine. À plus, ciao ciao.